Je m'appelle Richard Alkaïm et je suis le directeur du merchandising de l'OGC Nice. Aujourd'hui, on a un objectif qui est à peu près de 200 commandes par mois. Et on l'atteindra. Le panier moyen est assez élevé. Donc 200 commandes par mois, c'est notre première étape. On va tenter justement pour 2019 d'augmenter ce chiffre d'au moins 30 à 40%. Il y a un lien direct, puisque bien souvent, la boutique physique permet de récupérer les ventes online en click and collect. On a pu, grâce justement à la nouvelle application EasyShop, on a pu développer d'autres points de click and collect, comme le stade, les jours de match. Donc ça, c'est très intéressant. Il y en a beaucoup. Déjà, il y a énormément de souplesse. On a la possibilité très facilement d'offrir des promotions à nos clients. Quand par exemple on a fait le Black Friday, ça a été extraordinaire. C'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. On a rempli une pièce entière de commandes en préparation. Ensuite, il y a cette proximité avec EasyShop qui nous permet de régler tous les petits problèmes inhérents au fonctionnement d'une boutique en ligne. Il y a eu des difficultés d'intégration de EasyShop avec notre solution de gestion commerciale. Dans tous les cas, on l'avait anticipé et les techniciens chez EasyShop nous ont permis de régler les problèmes avec les techniciens de la solution de gestion co assez rapidement. On a évidemment la personnalisation du maillot, c'est-à-dire que le maillot peut être vendu vierge, sans marquage, ou avec un marquage au nom d'un joueur, ou carrément personnalisé au souhait du client. Et ça, on le fait évidemment facilement aussi avec notre solution en ligne. Le client en ligne peut avoir le rendu visuel du maillot qu'il recevra avec son nom. Accentuer le cross-selling et essayer de diminuer les coûts de transport. Quelquefois, on voit des consommateurs acheter une écharpe à 15 euros et avoir un port à 12,90. Donc c'est pénalisant. On souhaiterait qu'ils dépensent cette somme en achetant des produits plutôt qu'en transport. Les clés du succès dans la vente en ligne, je dirais, sans vouloir être trop dans la promotion de EasyShop, c'est être dans le choix du bon partenaire. Ça me paraît primordial. Quand on a un partenaire, des interlocuteurs et des gens qui ont des outils de la réactivité, c'est nettement plus facile.